Hola, la compagnia. On parle espagnol, pourquoi? Enfin, on parle portugais, pourquoi? Parce qu'on va où? Mec, on va à Lisbonne et hola, c'est en espagnol. Ouais, mais moi j'ai fait l'espagnol LV2, j'ai pas fait portugais, les trucs. Bon, salut. Bon, ben, on se retrouve à Lisbonne. C'est toujours nous. Ça va au Portugal, pas besoin de conducteur pour conduire ouais. Le bus. Automatique. Tout. Ah bah non. Bon, je vous ai pas expliqué pourquoi je suis ici, hein? Bah je vais vous l'expliquer. Bon, on a été invité ici par Sony et par SFR pour venir découvrir quoi donc? Ce qu'on a découvert à Barcelone de chez Sony, à savoir le Xperia XZ Premium. Je crois qu'on va en limousine. Ouais, ouais, ça, on est bien, ouais. On est bien reçu. Hein. Franchement, un étage, Jean Talus. Ouais. Jean de 29. Ouais. À Skip, on a 1h30 de trajet en voiture. En bus, je pense qu'on a pour 2h. Sachant qu'il est 23h38, on est cool. 2 hours later. Là, vous ne voyez rien, c'est pas grave, on est devant la porte. On va rentrer les yeux bandés, on va faire recherche appartement en maison version yeux bandés. Attends, putain mec, je suis contre le mur là. Moi j'avance, mais je sais pas où j'avance. Attends mec, mais j'ai trop peur de me prendre. Attends, j'ai un truc. Ah putain, c'est un tapis. Putain, ça résonne. Ah, ça résonne. C'est petit, alors c'est petit. 1, 2, 3. Mais y'a pas de lit. Mec. Attends. Oh putain, attends mec, y'a une porte. Il y a deux portes. Oh, le bâtard! Eh, hey, il y a un sac. Ok, on dort vraiment ça. Truc de fou. On était dans la chambre. Au final, ma carte passe pas. Du coup, on s'est dit que peut-être j'avais une chambre à moi. Et en fait, oui, j'ai une chambre à moi qui est au 15ème en rooftop. C'est la même! C'est exactement la même! Oui, mais attends, on va juste. Ah putain, y'a à manger! Ouais, mais je veux juste voir un truc, la vue. Oh putain, pareil. Oh le bâtard! Bon, je vous ai passé la journée d'hier soir, enfin la fin de soirée d'hier soir, parce qu'au final, on n'a rien fait de bien spécial, de bien particulier. Là, on est franchement dans un endroit super sympathique. On va vous faire vivre ça. Il y a monsieur qui a pris son Mavic, qui est en train de tester son Mavic. Vous verrez sur sa chaîne, vous avez le lien en description. Il s'est passé un truc assez ouf, vous verrez, je vous dis rien, mais le lieu est magnifique, l'endroit est magnifique, ça fait rêver, du coup, je vais vous faire vivre ça. A few moments later. Petite conférence, Sony, à propos du Xperia XZ Premium, elle passe juste là. Maintenant le but c'est, on a chacun un groupe en fait, il y a 3 groupes, on va se rendre par groupe et le truc marrant c'est qu'on a l'impression d'être un peu en colonie, c'est-à-dire qu'on va rejoindre son groupe, il y a groupe 1, 2, 3 et 4 je crois, et puis on va tout après-midi changer d'attraction, tester le slow motion, tester tout ça, ça va être plutôt fun, on va tester tout ça, on va voir tout ça ensemble, même avec des gens que vous connaissez pas, c'est ça qui est marrant. Je crois que c'est le showroom là, ouais. Je sais lire. Là, c'est, on va tester en fait le ralenti image par seconde parce qu'il y a 960 ici et ça va donner ceci. Sinon, elles sont là, les petites bébêtes, l'Xperia XZ Premium. Alors, on avait pu commencer à les prendre en main à Barcelone, au MWC, parce que oui, ça a été annoncé au MWC. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est super brillant derrière. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez en fait la caméra. Voilà, donc les traces de doigts, il va rien avoir. Mais le design, franchement, on va l'avouer, il est vraiment sympa. Mais ce qui marque vraiment de fou, c'est ce qui se passe juste là-bas, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la possibilité de filmer quasiment à 1000 images par seconde. Mais de ce qu'on vient de voir, et je pense que vous le voyez en même temps que moi, c'est super. La folie de fou. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, hein? T'es d'accord? Tu me refais plus jamais ça. Deuxième étape du programme de l'après-midi, c'est faire quoi?
C'est aller où? Non, c'est aller aux interviews pour rencontrer les personnes qui font les petits smartphones. Donc il y en a qui l'ont voilà. Un peu abusé du... J'adore, il faut que je vous montre. Le petit smartphone de chez Sony. Par exemple ici. Comment tu t'appelles? Mais j'ai jamais vu ce genre de truc. Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Nouvelle attraction de la journée, c'est quoi? C'est qu'on va récupérer des blouses parce que on va filmer, si je me trompe pas, avec le Xperia XZ Premium, des vidéos pour faire un petit film. Et au final, là, ça va être avec des couleurs et plein de trucs comme ça pour éviter qu'on se salisse. On a même des lunettes. Alors, c'est pas lunettes Snapchat, mais presque. Voilà, c'est bon, on est prêt sur ça. Il y a plein de petites particules, donc normalement on va taper dessus, on va filmer avec le petit smartphone qu'on a récupéré juste là. Et ça devrait être marrant, normalement on va récupérer le petit film. Je vais essayer de voir si je l'ai à temps pour le mettre dans sa vidéo. Si vous ne le voyez pas, je vous mettrai sur les réseaux sociaux. Je crois que je suis foiré. On en a pris deux partout, mais en vrai tout ce qui est là, ça servait pas non plus à grand chose. Mais au moins, on a protégé l'essentiel, à savoir les lunettes Snapchat. Là, c'est une nouvelle attraction où en fait, ça se passe avec de l'eau, tout simplement. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Bon, l'autre attraction, celle-ci, pour l'eau, c'est fini. Est-ce qu'on a une troisième? Parce que d'habitude, on dit jamais deux sans trois. Non. Non? Je crois pas. Bon, on verra. Toutes les activités de la journée sont terminées à propos du Xperia XZ Premium. Je pense qu'on l'aura compris à la fin. Là, il faut que je tourne une petite vidéo pour SFR que vous avez très certainement dû voir peut-être sur les réseaux sociaux de SFR. On va tourner ça sur un ponton qui est juste là. J'ai un très... Ça sent de ouf. Sur un ponton qui est hyper stylé. Et puis après, à Skip, on a une grosse soirée en perspective. On va se poser 2 minutes avant de repartir au resto à la plage parce qu'il paraît. Attendez. C'est quoi ça? Mais c'est super! Mais c'est énorme! Allez! Petit casque Sony Bluetooth. Alors c'est quoi la couleur? Parce que j'ai les lunettes. Couleur verte, petite casquette. Et ben dis donc. Et petit sac qui fait plaisir. Bon, ben c'est super. Ben merci beaucoup Sony. C'est énorme, dites-moi en commentaire si vous voulez le gagner ce casque, pourquoi pas, ça peut peut-être vous intéresser. Du coup lâchez un gros pouce bleu et surtout commentez en vidéo si vous êtes intéressé par ce casque. Alors en soi j'étais pas du tout au courant qu'on repartirait avec un casque Sony, donc merci beaucoup. En plus c'est quoi, c'est un wireless, c'est un iRes Audio, c'est un Bluetooth, c'est un NFC, c'est la folie, merci beaucoup Sony. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. C'est pas méga stylé cet endroit. Genre on se croirait pas tellement. Bon j'allais dire en France, mais on est pas en France. Mais au Portugal, c'est. Au resto, allez. Énorme. The next day. Bon, c'est l'heure du départ. Sauf que j'ai pas mon casque. Voilà, je sais pas où il est passé. Alors vous allez me dire que t'es un fou mec. Tu pars à Los Angeles, enfin tu pars à San Francisco, tu perds tes AirPods. Tu pars à Lisbonne, tu perds ton casque Bose. Voilà. Voilà. Bon, je vous ai passé tout le trajet en voiture parce que c'était pas non plus la folie. Voilà, la petite vidéo est terminée. C'était un super séjour, on va dire ça comme ça. Voilà, c'était énorme de pouvoir faire tout ce qu'on a pu faire. Bon, ça a fini pas trop en beauté non plus, hein, parce que j'ai perdu, enfin on m'a volé mon QC35. Vous savez, la prise vidéo où on est rentré dans la chambre pour essayer de découvrir à quoi elle ressemblait. Alors déjà, il faut mettre la carte dans le locker. C'est où? Enfin, ça va.
Attends. Mais c'est à ce moment-là que j'ai laissé ma valise dehors comme un con et que je suis allé récupérer en fait une heure après. J'avais complètement sapé qu'elle était dehors. Voilà, donc c'est à ce moment-là que comme mon casque était sur ma valise, bah il est parti. Voilà, donc bon. Tant pis, c'est que matériel, on va dire ça comme ça. Bref, tout le long du séjour, j'étais accompagné d'un certain monsieur. Si vous ne le connaissez pas, je sais pas si je l'ai présenté en début de vidéo, mais bon, moi c'est fait. Il s'appelle Guillaume Ruchon, vous avez le lien dans la description. D'ailleurs, ça arrive, c'est tellement beau. Et vous allez voir, il a fait également une vidéo lui, mais axée plus sur, sur l'ambiance qu'il y avait dans ces 2-3 jours ici à Lisbonne. Donc allez, checker ça, je vous mets le lien en description. J'espère que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Et puis également, vous cliquez sur cet avion là-bas si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, bisous.